Guten Tag, mein Kinder. Eh bien, salut tout le monde, c'est Bousquet, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va pas mal du tout. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Wolfenstein The New Order, une vidéo découverte sur ce petit FPS ancien, à la base, qui est un FPS 8 bits, on va dire, rétro. Et donc, ils ont décidé de faire un FPS nouvelle génération, donc je crois que c'est l'un des tout premiers FPS ou le premier FPS qui est sorti au monde. Le tout premier à l'époque, genre l'année 90, 80, je sais pas trop moi. Mais enfin bref, c'est un FPS très connu des gamers rétro. Donc on a des petits chapitres. Donc vous voyez que je suis au chapitre 5. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte. En gros, l'histoire, c'est les États-Unis, donc la base du boucher, le chapitre 1, qui lance une mission dernière chance pour gagner la Seconde Guerre mondiale contre les nazis. Et donc cette mission, vous en doutez bien, ils vont la louper en fait. Et en fait, les nazis étaient très avancés technologiquement dans le jeu, mais aussi dans la vraie Seconde Guerre mondiale, ils étaient aussi avancés très technologiquement, pardon. Mais je pense pas qu'ils avaient des chiens robots, ça m'étonnerait, à moins qu'ils ne l'aient pas dit. Mais ça, je pense que voilà, ça m'étonnerait qu'ils en aient. Mais là, en tout cas, dans le jeu, ils en ont. Bien sûr, je rigole, hein, je sais très bien qu'ils n'avaient pas de chiens robots. Mais enfin bref, ils ont des big robots. Enfin, c'est what the fuck. Ils ont bien poussé le scénario très très loin. Hein. Et c'est ça qui est bon. C'est un jeu, un shoot'em up, limite. On tire sur tout ce qui bouge et c'est tout ce qu'on demande. Donc on va faire le chapitre 2 dans l'asile. Donc pour ceux qui suivent un petit peu le jeu, vous savez que le héros principal fait un coma. Et en fait, on va se retrouver dans un asile. Et donc là, je vous spoil pas trop. Hein, normalement, si vous avez vu le thriller, tout ça, vous devez connaître. Et de toute façon, là, c'est une mission pas spoil. J'ai choisi exprès. Donc, on est parti. Validé. Et on a des petits niveaux de difficulté assez sympas. Je peux jouer papa, ne faites pas de mal, amenez-vous, bande de bâtards. Je suis la mort incarnée et Hubert. Hubert Schwammschurf, pour ceux qui regardent, c'est dans Futurama, ça, je crois. Je sais pas pourquoi ils l'appellent comme ça, bon, enfin bref. Donc nous, de toute façon, on va jouer en amenez-vous, on va pas se la couler... Bah si, on va se la couler nous, justement, en mode normal, de toute façon. Et puis, bah, aussi, à tout de suite, je vous laisse la cinématique. Obudził się. Skąd wiesz? Zaufaj mi, mamo. Po prostu wie. Kochanie, twoja córka ma tajemnicze siły. To moja córka. Ja tylko daję tajemnicze siły. Tato!
siedzicie teraz przy oknie, w świetle. Une sensation étrange, piégée dans mon propre corps. Je m'évanouis, je perds du temps. Parfois, on change de saison en un clin d'œil. J'ai du mal à réfléchir. Mes pensées se dispersent comme une odeur qui s'envole au vent. Mais je fais des progrès. Voilà ce que je sais. Je suis en Pologne. Un hôpital. Non, un asile. C'est l'infirmière en chef. Ça, c'est son père, le psy. Sa mère... sorte de pharmacienne. Il dirige le centre. Parfois, il fête Noël ou des anniversaires. Parfois, des nazis viennent. Ils repartent avec des patients menottés. Le général Strasse se sert à volonté. Le psy fait des scènes, mais il finit toujours par signer. Pas le choix, j'imagine. J'assiste à tout ça, à l'impuissance de ces braves gens. Je suis en vie grâce à eux. Je me rétablis grâce à elles. Elle s'appelle Anya. Elle prend soin de moi. Elle veille sur tout le monde. C'est elle qui fait tourner le centre. Elle aurait dû être mariée, mais la vie en a voulu autrement. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Les bâtards! Les bâtards, mais de toute façon, bâtard rime avec nazi, hein, pas du tout, mais c'est le cas. Donc on se retrouve en Pologne, dans l'asile de fous, que le médecin nous a diagnostiqué que notre cerveau était des œufs brouillés. Donc là, on va se la jouer full bourrin. Allez, mon gars, ramène-toi ici que je t'explose la gueule comme tu fais à tes patients. Ça, tu... D'accord ? Sa gorge est à moitié tranchée. Vraiment un peu crade, lui. Anya, où est-ce qu'il tourne ? T'inquiète pas. Hop ! J'ai les jambes. Ah oui, ça fait longtemps que je me suis pas relevé. Mes doigts sont engourdis. Donc il a passé 14 ans, je crois. Soit 12 ans, soit 14 ans, ou soit 16 ans dans le coma. J'en sais rien. Je crois que c'est... 14 ans, je sais plus. Je peux pas vous dire réellement. Hop. Donc bien sûr, on a des armes assez futuristes. Là, tu lui fous combien de balles, mon gars, toi ? Hop. Toi, je t'achève. Alors le jeu, scénario, assez bien, on va dire. C'est pas un scénario qui pète la baraque, mais c'est fun à jouer en tout cas. C'est très, les mécaniques du jeu sont vraiment bien pensées, je trouve. On a comme dans BF, regardez, on peut, voilà, on peut se pencher. Bon là, ça marche pas. En fait, ça marche bizarrement. On peut se pencher en tirant comme ça, je sais pas, là ça marche pas. Voilà, bon, ça des fois ça bug un peu, c'est bizarre, mais il y a des choses assez sympas. On a des gens par exemple qu'on peut achever qui sont à terre, genre comme un atout dans les Call of là, ou dernière balle, ou un truc, voilà, comme ça. Les mecs, on les achève. Donc lui, il était à terre, mais il s'est relevé alors que j'ai mis une balle. Graphiquement, il est beau, mais ça va pas plus loin. Il est pas non plus. Il n'est pas non plus exceptionnel, mais non, c'est vraiment un jeu qu'on a envie de finir. C'est clairement un jeu qu'on a envie de finir. En plus, non, ça va, il est cool. Franchement, moi, je trouve qu'ils ont fait un beau boulot. Voilà. Ils ont fait du bon boulot. Hop. Donc, j'ai déjà fait cette mission, mais je sais. Il y a un truc là. Voilà.
Je sais plus trop où faut aller. On tombe vite à court de munitions quand même, hein, t'en jure. À force de tirer sur tout ce qui bouge, c'est vrai que c'est un petit peu. On ramasse beaucoup de choses, mais c'est genre 15 balles par 15 balles, quoi. C'est pas extraordinaire. Tac. Alors, durant cette vidéo, vous allez sûrement entendre m'entendre à mort marteler ma souris. Parce que de toute façon, il faut faire ça pour. Oh là là, j'ai loupé, mon gars. Il faut faire ça pour ramasser tout. Donc. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Reste là. Je t'ai rien, je t'ai pas dit de partir, je crois. Hop. Donc, faut fouiller un petit peu chaque recoin pour essayer de trouver. Toutes les munitions. Toi tu dailles, mon gars. Bah alors. What? Un mur invisible. Sinon non, il n'y a pas énormément de bugs. Hein. Le jeu, il vient de sortir, mais moi j'ai pas eu beaucoup de bugs dessus. Est-ce qu'il est plein? Toi par contre mon gars, tu te calmes. Hop, on va ouvrir la porte. Sans pression. Ok, alors lui il se fait enrouler bouler au calme. Je sais pas ce que tu veux toi en fait. Ouf. Je peux pas laisser le choix mon gars, soit tu meurs, soit tu meurs. Hop. Hop, voilà, donc là vous pouvez voir qu'on peut se baisser entre guillemets. Enfin on peut se pencher, pardon. C'est assez cool. Donc on a des armes assez futuristes. Moi je trouve ça bien quand même qu'ils aient pensé que les Allemands ont gagné la guerre. Moi je pense clairement que ça serait jamais arrivé. Parce qu'en gros ce qu'il va apprendre par la suite, qu'il ne sait pas encore, c'est que les États-Unis ont capitulé en fait. Et moi je vois clairement mal les États-Unis capituler. Enfin bon après voilà, mais je pense que en réalité ça ne serait jamais produit, mais de toute façon ce n'est qu'un jeu et on va pas comparer. Hop. Bonjour messieurs dames, je vous dis juste un petit coucou, voilà, je mets les têtes au calme. On va se mettre à couvert vite fait. Ce qui est bien, c'est qu'on a une vie. Elle peut pas descendre en dessous de 20%. 20% c'est vraiment rien. C'est genre la vie de MW3 en gros. Pour vous rendre compte, c'est une vie de FPS en gros. À 20%. Et on peut aller jusqu'à 150. En fait, c'est des petits bonus que tu trouves in-game. Et ça te rajoute de la vie en fait. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool là, vous voyez. Voilà, je suis à 110. C'est assez nice. Vous allez voir aussi là, maintenant, sous vos yeux, Zébaï, qu'on a des petits drones comme ça. Ils sont assez chiants à tuer. Mais vous allez, enfin, vous allez pas le voir dans cette vidéo, mais dans la prochaine mission après, on a deux putains de fucking robots à tuer. Je peux vous dire que c'est ultra encore les trucs. Alors faut je sais pas combien de balles. Et vu qu'on tombe assez vite à court de balles, c'est le seul. D'accord, je peux en prendre combien sinon ça ne marche pas moins en fait. Hop, il est où le deuxième? On va essayer de la jouer full gun. Sinon les effets de lumière sont assez beaux. Hein. On dirait un petit peu la même patte graphique qu'un Bioshock, je trouve. Un petit peu dessin animé. Enfin, je sais pas comment dire, Bioshock, je trouve ça ressemble un peu à un dessin animé. Bon. En mode jeu vidéo, je sais pas pourquoi, c'est des couleurs un peu flashy. On sent qu'il y a de la luminosité en fait dans le jeu. Et ça ressemble un petit peu à un Bioshock pour vous donner une idée. Là, je suis en train de rien leur faire du tout, bordel. On va prendre la traite. Là, ça va plus vite. Tac. Donc ouais, sinon le jeu est vraiment calé, hein, je vous le conseille très clairement. Les cinématiques sont assez belles, on va dire. Moi je trouve ça plutôt
tout sympa. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, ma jolie? Voyez, on a quand même de belles cinématiques, moi, je trouve. Après, il y a des petites textures qui sont un petit peu dégueulasses, style les cheveux. Hein, on dirait un peu les Sims. Tout le monde connaît les cheveux des Sims, ça ressemble à rien. Mais voilà, ça, c'est cool. Bon, on va pas spoiler davantage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit mot de fin qui désignera la vidéo. Et encore bravo à toi, Benfield, d'avoir trouvé. C'était vraiment cool. Et je pensais pas qu'il allait y avoir des personnes qui auraient réagi à ça. Mais je trouve ça cool. Et bah moi, je vous dis à plus. Salut tout le monde. Kraft.